je m'appelle Olivier Stocker, je suis étudiant en doctorat à l'Université de Laval en sciences géomatiques. Je travaille sur la vision par ordinateur sur les forêts boréales. Donc les forêts boréales sont des écosystèmes qui sont mis en danger par l'activité humaine, principalement par le biais du réchauffement climatique. Et pour mieux suivre l'évolution de ce territoire et comprendre son adaptation, les scientifiques, c'est-à-dire les écologues, les biologistes et les sylviculteurs ont besoin de cartographie des espèces d'arbres. Et mon travail est justement de développer des nouvelles méthodes de détection des espèces d'arbres dans les scans 3D. Pour ça, j'utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et ces algorithmes ont besoin de beaucoup de données d'apprentissage. Or, en milieu forestier, ces données d'apprentissage ne sont pas disponibles. Par conséquent, mon objectif est de démontrer que, à l'aide de la simulation informatique de scans 3D, on est capable de générer autant de données d'apprentissage que nécessaire pour entraîner ces algorithmes et les rendre les plus performants possibles. J'ai développé une chaîne de traitement qui permet de travailler avec n'importe quelle composition forestière et qui permet de simuler des nuages de points forestiers d'une surface équivalente à celle de l'université en seulement 3 heures. Et ces nuages de points sont directement annotés, ce qui nous permet d'avoir directement les exemples. Les premiers résultats que j'ai eus ont permis de caractériser l'importance de la densité d'acquisition dans les nuages de points et permettront à terme de développer des nouvelles normes d'acquisition pour le suivi de l'évolution du territoire. D'autre part, toutes les simulations que j'aurai générées seront mises à disposition des scientifiques et permettront de développer de nouvelles méthodes d'apprentissage et de nouvelles méthodes de vision par ordinateur sur les forêts boréales.